Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, agression des journalistes lundi 16 octobre lors de la marche pacifique à Kaloum. Damaru Camara porte plainte contre le procureur de la CRIEF pour insuffisance professionnelle. Au Sénégal, Ousmane Sonko annonce reprendre sa grève de la faim. Des centaines de Palestiniens tués dans le bombardement d'un hôpital. Mesdames et messieurs, c'était le titre. Les détails dans un instant. Violemment bastonné sur son cou lundi par des agents de sécurité lors de la marche pacifique appelée par le syndicat des professionnels de presse de Guinée, le cou du jeune journaliste reporter a été immobilisé mardi à l'hôpital de Donka. Il s'agit d'Ibrahima Foulamori Ba du site d'information Le Courrier de Conakry.com. D'après le rapport médical, le jeune journaliste serait paralysé à vie si ses nerfs étaient touchés. Les images. C'est lors de la manifestation des hommes de médias appelés par le SPPG que le journaliste reporter du site d'information Le Courrier de Conakry.com a été de cet incident malheureux. Selon lui, il a reçu plusieurs coups de matraque sur son corps, notamment au niveau de son cou, par des forces de défense de sécurité. L'autre, c'est au niveau du cou, en face du cou et à l'arrière de mon cou. La troisième radio, c'est au niveau des côtes, parce que j'avais reçu des coups au niveau des côtes. Donc, après vérification du médecin, il a constaté un cas grave au niveau de mon cou. Il dit qu'il y a eu un os qui a été fissuré. Mais selon lui, heureusement, les nerfs n'ont pas été atteints. Si les nerfs ont été atteints, j'allais perdre mes quatre membres ou j'allais succomber à la blessure sur place. Heureusement pour moi, les nerfs ne sont pas atteints. C'est un os qui a été fissuré. Les factures de ces prémissions ont été assurées par le patron du média en ligne guinematin.com, Nou Baldé. C'est suite à ces examens, résultats de ces examens, qu'il a prescrit une ordonnance. Et grâce à l'implication de tout le monde, notamment à mon frère Nou Baldé, qui a accepté tous les produits au même moment. Il a pris en charge les examens, les produits, tout et tout, tout ce qui s'ensuit. Et le médecin, c'est ainsi que le médecin m'a fait savoir que je dois, mon cou doit être immobilisé pendant 4 semaines pour voir comment sera la suite de mon état de santé. Et pour éviter un tel agissement sur les hommes de médias, Foulamori demande la justice car avant de perdre la conscience, il a pu repérer le visage de son bourreau. Mais je vous fais savoir que le coup me fait beaucoup mal. Ça me fait beaucoup mal. Le policier, l'agent du monde, parce que je ne sais pas si c'était un agent ou si c'était un gendarme. Il ne m'avait pas frappé comme si il avait l'intention si j'allais raconter ça à quelqu'un. Parce que comme le médecin lui-même m'a dit, quiconque vise ton cou pour te frapper, c'est ce que la personne vise à l'atteinte de ta vie. Il voulait à ce que je succombe à mes blessures sur place. C'était une stratégie certainement pour l'agent. Au lieu de prendre son fusil, son arme tirée à balles réelles sur moi, et après on ouvre les enquêtes, on dit, après les enquêtes, à travers les enquêtes, la balle, là, on va retrouver l'auteur du crime. Certainement, lui, il a jugé nécessaire de passer par cette méthode. Me taper au cou et je tombe. Si j'arrive à succomber à mes blessures,
On dit qu'il est décédé par bousculade lors des trucs. C'était certainement sa stratégie. Parce que si quiconque te frappe au cou, c'est pour te tuer. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, je demande l'appui de tout un chacun, l'appui de tout le monde, à ce que justice soit rendue. Je veux que l'agent, je veux qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour identifier l'auteur de cet acte horrible à mon encontre et que l'intéressé compare et s'explique et qu'il répond de ses actes. Justice, c'est ce que réclament également les SPPJ et les associations de presse. Reste à savoir si la plainte annoncée va prospérer. L'avenir nous différera. Détenu en prison depuis plus d'un an pour des faits de détournement de 15 milliards de francs guinéens, l'ancien président de l'Assemblée nationale a décidé de porter plainte contre le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Suivez. Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime Alpha Condé, porte plainte contre Ali Touré, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le pôle d'avocats de l'ex-président de l'Assemblée nationale, à sa tête Maître Satiba Kouyaté, a rendu publique la copie de la dite plainte ce mardi par devant le Conseil supérieur de la magistrature. Selon la plainte, le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, est reproché par Amadou Damaro Camara des faits d'insuffisance professionnelle. Cette plainte intervient après la libération provisoire accordée à Amadou Damaro Camara par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la CRIEF le 9 octobre dernier. En détention à la maison centrale depuis avril 2022, Amadou Damaro Camara est poursuivi pour détournement présumé des deniers publics. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, a annoncé mardi reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée depuis début septembre. Suivi. Candidat à la présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko, 49 ans, troisième de la présidentielle de 2019, accuse le président Macky Sall, qui s'en défend, de vouloir l'écarter du scrutin par des procédures judiciaires. Monsieur Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, a annoncé début juillet ne pas se représenter. L'homme politique veut par cette décision marquer sa solidarité avec les autres militants injustement arrêtés pour avoir exprimé leur opinion politique. Détenu et aujourd'hui privé pour certains de tout contact avec leurs proches, pour avoir mené une grève de la faim. Il souhaite aussi protester contre sa détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de patriotes et en exiger la fin, écrit-il dans son message. Sa reprise de grève de la faim a été confirmée par Maître Clédor Lee, l'un de ses avocats. Les partisans de Renamo, la principale formation de l'opposition mozambicaine, étaient dans les rues de Maputo mardi. Ils dénonçaient les fraudes présumées lors des élections municipales. Dès que l'opposition dénonce des fraudes aux élections municipales, des manifestations ont eu lieu aussi dans plusieurs localités du Nord. Alors que les résultats du scrutin sont attendus mercredi, le Frelimo au pouvoir a déjà été donné vainqueur dans plusieurs villes, suscitant la colère de l'opposition. Ici et maintenant, nous réaffirmons notre position de ne pas accepter, de ne pas reconnaître les résultats du 11 octobre. La commission électorale a promis mardi de servir contre ses membres responsables des pratiques illégales. Le Frelimo a remporté toutes les élections nationales depuis la fin de la guerre et a également contrôlé une grande majorité des municipalités de l'ancienne colonie portugaise devenue indépendante en 1975. Le
Le Royaume-Uni a recommandé mercredi à ses ressortissants d'éviter le célèbre parc national ougandais Queen Elizabeth après la veille du meurtre de 3 personnes, dont une de nationalité britannique, attribué aux rebelles ADF. Les images. Dans ses conseils aux voyageurs, le gouvernement britannique déconseille tout voyage sauf essentiel dans ce parc du sud-ouest du pays, très prisé par des touristes. Les autorités ougandaises ont annoncé mardi soir le meurtre de 3 personnes, 2 ressortissants britanniques et sud-africains et leur guide ougandais, alors qu'elles circulaient dans le parc Queen Elizabeth, frontalier de la République démocratique du Congo. La police a attribué cette attaque aux forces démocratiques alliées, ADF, une milice implantée dans l'est de la RDC ayant fait allégeance au groupe État islamique. Les ADF sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils en RDC et d'attaques djihadistes sur le sol ougandais. En juin, 42 personnes, dont 37 élèves, ont été tuées dans un lycée de l'ouest ougandais ou dans une attaque qui leur a été attribuée. Mardi 17 octobre, une requête est tombée sur une infrastructure de santé faisant entre 200 et 500 morts. Israël et le djihad islamique s'accusent mutuellement. Les images. Les responsables palestiniens et de nombreux chefs d'État arabes pointent la responsabilité d'Israël. Shahal bombarde la bande de Gaza depuis plus de 10 jours en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Selon les derniers bilans, plus de 3000 Palestiniens et 1400 Israéliens sont morts. Mardi soir, des manifestations en soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs villes de la région, notamment en Cisjordanie et dans le sud du Liban, contrôlé par le Hezbollah, mais aussi à Beyrouth, Tunisie, Istanbul ou encore Bagdad. Mardi soir, des manifestations en soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs villes de la région, notamment en Cisjordanie. Et got this information when we were together doing this virtual meeting with the leaders. It seems to be confirmed, and an attack against a civilian infrastructure is not in line with international law. Le président des États-Unis, Joe Biden, devait rencontrer aujourd'hui Mahmoud Abbas, le représentant de l'autorité palestinienne, dans une réunion à 4 avec la Jordanie et l'Égypte. Mais le roi Abdallah II de Jordanie a annulé sa participation. Les bombardements de Gaza ont fait plus de 3000 morts, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales. Le président chinois a salué ce mercredi la confiance croissante entre Pékin et Moscou lors d'un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine dans la capitale chinoise. Les images. Face à Vladimir Poutine, Xi Jinping salue la confiance croissante entre Pékin et Moscou. Le dirigeant a appelé les deux pays à sauvegarder l'équité internationale et la justice, selon la même source, soulignant la coordination stratégique proche et efficace entre la Chine et la Russie. M. Xi a rappelé avoir rencontré M. Poutine 42 fois au cours de la dernière décennie et qu'ils ont développé une bonne relation de travail et une amitié profonde. Les deux hommes se sont rencontrés au Palais du Peuple en marge du Forum des Nouvelles Routes de la Soie à Pékin. Alors que le monde est les yeux tournés vers la guerre israélo-hamas, aucun d'eux n'a évoqué publiquement le sujet mercredi. Lourdement sanctionné par les Occidentaux en raison de son offensive contre l'Ukraine, la Russie cherche à resserrer ses liens. Déjà très étroit avec la Chine, laquelle semble avoir pris l'ascendant dans les relations bilatérales. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur IBM, sur TV, votre chaîne panafricaine.